Bonjour à tous, je suis le zombie du blues et bienvenue dans cet épisode 12. de temps. Je vous le dirai à chaque fois, si vous avez un trou de mémoire ou que vous découvrez la série, n'hésitez pas à regarder les épisodes précédents depuis le départ. Sans ça, vous risquez de ne pas comprendre. À côté de ça, ces épisodes s'adressent à tous les instruments, hein, que ce soit les percussions, la batterie, les instruments à cordes, les instruments à vent, tous. Et oui, voilà le dernier épisode de temps. Et pour finir donc, le 12-8. Cette mesure se compose de 4 parties ternaires. Et pour donner un peu plus de relief à l'ensemble, on va insister sur le premier et le septième temps. De ce fait, on le différenciera de deux mesures 6-8 mis bout à bout. Alors, on insiste toujours sur le premier temps, ce qui fait que j'ai découpé un nouveau carton. C'est ce qui va vous donner... C'est la mesure du blues. Mais ce que vous venez d'écouter ne sonne pas vraiment bluesy. Alors comment transformer ça en blues? Eh bien... Et voilà ce que ça donne. Pourquoi c'est le dernier épisode de temps? C'est vrai que je pouvais continuer, mais à vrai dire, je ne voyais pas trop l'intérêt. Je vais passer sur d'autres choses, alors ne jetez surtout pas les cartons que vous avez faits, vous allez voir que ça va beaucoup vous servir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, alors munissez-vous de votre métronome et de votre instrument et ce sera à vous de jouer. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en déclenchant la petite cloche histoire de ne pas louper des notifications. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee, je vous remercie d'ailleurs si vous le faites. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager mon travail à vos amis. Je vous dis ciao et à la prochaine.